Yamagata a utilisé son talent pour alterner soigneusement entre la connexion du ballon et l'alimentation dans l'espace derrière la ligne finale, créant ainsi de nombreuses occasions. Bien qu'il ait été déclaré hors-jeu, la première mi-temps s'est terminée sur un fort sentiment de but, avec ses mouvements de passe rapides créant des scènes qui ont trouvé le fond des filets. En seconde période, ils ont intensifié leur attaque et ont pris le contrôle total du match. Au milieu de tout cela, ils ont eu une chance de se décider, mais en raison de l'excellente défense de Wita Trinita, ils n'ont pas pu marquer, jusqu'au coup de sifflet final. Le match, où les deux équipes souffraient d'un manque de capacité à marquer, s'est terminé par un match nul et vierge, 0-0. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne 2000 TV pour plus d'informations. Thank you.